Qui n'a jamais rêvé de retomber en enfance pour se faire raconter une histoire avant de s'endormir ou pour applaudir Guignol avec ses copains après l'école? Mais pourquoi donc aimons-nous qu'on nous raconte des histoires? Des fois il y a du suspense, des fois c'est rigolo, des fois ça fait peur. Oui, moi quand ça fait peur, c'est rigolo aussi. Oui, j'ai gardé l'âme enfant et j'aime beaucoup qu'on me raconte des histoires. Surtout des histoires qui me permettent de rêver et d'imaginer, de broder. Quand je les écoute, je vais un peu dans un autre monde. Je pense à autre chose. J'adore. Ouais. Bah moi je vois Coralie, il y a toujours des histoires à me raconter, toujours quelque chose de neuf à me raconter. C'est des ragots, mais ça reste un moment de détente entre copines. On adore se faire raconter des histoires. C'est le plaisir de partager, d'échanger, et c'est aussi un moyen utilisé depuis la nuit des temps de transmettre le savoir. Et pourtant, certains se méfient des trop belles histoires, surtout quand elles prennent la forme du storytelling. Le storytelling, c'est ce qui permet, à travers des histoires qui sont racontées, de vous lier à une marque, à un parti politique, à une histoire collective, quelle qu'elle soit, à une entreprise, etc. Et inversement, lorsque vous créez un blog sur Internet et que dans ce blog vous racontez ce qui vous arrive, votre vie intime, hein, eh bien vous répondez à une injonction que vous n'avez pas entendue, mais vous y répondez, qui est « quel genre d'histoire êtes-vous ? » C'est ça que la société vous demande, c'est ça que la société proclame sur tous ses murs, sur tous ses écrans. « Quel genre d'histoire êtes-vous ? » Si vous n'êtes pas une histoire, vous n'êtes rien. Vous ne valez rien sur le marché. Pour valoir quelque chose, pour avoir ce qu'on appelait avant un curriculum vitae, eh bien, il faut avoir une histoire. L'histoire a remplacé le curriculum vitae. Le storytelling, vu comme une machine à raconter les histoires et à formater les esprits, ce n'est plus tellement un art du récit. C'est un ensemble de pratiques qui se réclament elles-mêmes du storytelling comme un art de gouverner, un art d'influencer, un art de persuader, un art de la propagande également. Et de la désinformation. Moi, je crois qu'on nous raconte beaucoup d'histoires. Et parce que de toute façon, c'est depuis toujours, on est manipulé. Je pense que dans les journaux, à la télévision, on peut nous raconter des histoires. Les médias nous racontent des histoires, mais quel rôle joue donc la presse dans ce processus? La presse n'est pas victime du storytelling, elle participe du storytelling. La presse a repris le pouvoir sur le récit, c'est elle qui mène le récit. Les médias auraient-ils donc pour objectif de faire diversion? On a notre libre arbitre, on n'est pas obligé de faire qu'à des médias et de lire les journaux. Donc c'est aussi de nous prendre pour des idiots, quoi. Enfin, la presse football, ça me divertit, mais j'y crois pas une seule seconde, quoi. Les histoires, c'est de la super communication. Mais moi, j'y crois pas du tout, quoi. Mais je le sais, du moment que je sais qu'on nous ment, je rentre pas dans le jeu, mais c'est vrai que ça me divertit. Finalement, si on en a conscience, se faire raconter des histoires reste plutôt un plaisir.